Le master contrôle de gestion et audit organisationnel que nous proposons à l'Université Bretagne Sud, c'est un master parcours système d'information. Donc c'est un master à destination des étudiants qui proviennent donc d'une licence 3 orientée comptabilité, finance, contrôle, avec une vocation vers des métiers du contrôle de gestion, de l'audit organisationnel, mais également des métiers en lien avec les systèmes d'information, donc par exemple les consultants systèmes d'information qu'on peut retrouver dans des cabinets de SS2I, donc des sociétés de services informatiques. Donc il s'agit soit de faire du contrôle de gestion, c'est-à-dire de la collecte de données, du traitement et de l'analyse des données, de manière à construire des outils d'aide au pilotage, des outils budgétaires, donc à destination du dirigeant mais aussi des managers, mais également pour d'autres métiers, les métiers consultants en système d'information. Il s'agit ici de mettre en place donc des outils dans une organisation qui va changer, hein, donc mettre en place par exemple un ERP, un logiciel de gestion intégré dans une société pendant donc 6 mois, et puis une fois le projet terminé, donc aller mettre en place donc ce même logiciel dans une autre structure. Donc c'est des métiers relativement variés. On trouve également les métiers de l'audit organisationnel qui ne sont pas les mêmes que ceux de l'audit légal. L'audit légal, c'est les métiers réalisés par le commissaire aux comptes lorsqu'il certifie les comptes comptables d'une structure. Nous, on n'est pas sur cet aspect-là, puisque ça, c'est plutôt des masters CCA qui vont plutôt orienter les étudiants sur ce domaine-là. Nous, on est plutôt sur l'audit organisationnel, donc l'audit, par exemple, des procédures, la cartographie des processus d'une organisation, de manière à repérer les dysfonctionnements et proposer des solutions. Concernant ce master CGAO, donc les cours s'organisent sur 4 semestres. Alors, au cours du Master 1, il y a un stage en fin d'année qui a lieu donc à partir du mois de mars. Donc, on est sur un stage du coup de 3 à 5 mois si les étudiants souhaitent prolonger pendant l'été. Et on trouve également donc pendant le Master 1 la réalisation d'un projet, notamment la mise en place d'outils de gestion dans des structures de petite taille. En Master 2, c'est un petit peu le même type d'organisation puisque le stage est un stage de 4 à 6 mois à partir du mois de mars. Concernant les enseignements, donc on a à peu près un tiers d'enseignement quand même en lien avec les matières plutôt informatiques. Donc on travaille sur effectivement, bah bien sûr, l'incontournable Tableur, Excel. On va travailler aussi donc sur la base d'outils comme Business Object, mais aussi sur un logiciel de gestion intégré, donc leader mondial du logiciel de gestion intégré, qui est SAP. Donc on va former les étudiants sur SAP, notamment la dernière version qui est SAP HANA. Un tiers des enseignements donc plutôt sur de la partie informatique, un tiers qui vont être plutôt des matières plutôt générales, au sens de la stratégie, de la communication, des langues. Donc une part importante est laissée à l'anglais, puisque les étudiants vont ensuite passer le TOEIC en Master 2. Et le dernier tiers sont plutôt des matières plutôt techniques, donc en lien avec, alors au Master 1, le Master 1 va être commun avec le Master Comptabilité Contrôle Audit. Donc là, on va être sur des matières très techniques en lien avec la comptabilité, mais aussi la fiscalité, le contrôle de gestion. Et puis en Master 2, vraiment des matières techniques, mais axées sur le contrôle de gestion. Concernant le profil des étudiants, donc la plupart de nos étudiants proviennent donc d'une licence 3, avec, je dirais, un parcours orienté comptabilité, contrôle, audit, qu'on peut retrouver dans de nombreuses universités. À la marge, on peut également accepter des étudiants qui ont un intérêt important pour ces disciplines, mais qui proviennent d'une licence 3 de type plutôt éco-gestion des organisations. Ces étudiants donc, qui proviennent d'une licence 3 proviennent principalement d'études de DUT-GEA, la plupart du temps, de BTS compta-gestion, mais également de parcours licence 1, licence 2 à l'université en économie-gestion.
Donc le gisement de la licence 1 et 2 d'économie-gestion de l'UBS est un gisement important de cette licence 3 comptabilité finance que nous proposons. Nous avons également une part des étudiants qui ont réalisé donc un DCG, donc diplôme de comptabilité et de gestion. Donc tous les étudiants qui ont effectivement obtenu ce DCG peuvent également postuler donc à l'entrée du Master 1. On trouve également à la marge quelques étudiants qui sont en reconversion dans le cadre de projets de VAE. Ces étudiants, en fait, ont effectivement une appétence particulière pour l'informatique, mais aussi pour l'analyse, aimer donner du sens aux chiffres. Mais ce ne sont pas forcément des gens enfermés dans un bureau qui travaillent seuls, ce sont plutôt des gens qui aiment travailler en équipe, qui aiment communiquer. L'idée, c'est de partir d'une donnée et de la communiquer ensuite pour générer des actions correctives. Donc il s'agit de savoir interpréter ces données et de faire passer un message. Donc le chiffre joue ici le rôle de messager. Donc il faut également avoir des compétences, on va dire, de savoir-être en matière relationnelle. Il faut aussi être diplomate parce qu'effectivement les chiffres ne sont pas toujours bons, donc il faut être capable d'accompagner les personnes vers lesquelles on va donner une information qui n'est pas forcément satisfaisante. Donc la diplomatie, l'appétence pour les matières techniques, l'informatique, le relationnel sont des compétences vraiment très importantes attendues par nos étudiants. Donc dans le cadre du Master CGAO, nous avons des partenariats assez forts avec les entreprises, bien sûr, puisqu'elles nous prennent des stagiaires, mais également avec des organisations, donc notamment la DFCG, donc l'Association des directeurs financiers et contrôleurs de gestion, donc au niveau national, mais également au niveau local, l'IFACI, donc l'Institut français de l'audit et du contrôle interne, mais également avec, dans le cadre du Master 1, surtout l'Ordre des experts comptables et l'Ordre des commissaires aux comptes. D'un point de vue insertion professionnelle, ce master est vraiment très demandé par les entreprises. Chaque année, la plupart des étudiants donc, soit poursuivent dans l'entreprise dans laquelle ils ont effectué leur stage, soit effectivement ont des propositions d'embauche. À 2 mois après la fin du stage, tous les étudiants trouvent un emploi.